Good morning. Mon Jean-Baptiste, nous sommes nous depuis la capitale fédérale américaine Washington DC, jeudi à jeudi. Nous presque finissons maintenant, c'est 18 janvier. Donc, nous avons gardé pour nous ça qui a passé surtout. Et aujourd'hui, nous avons retourné dans le cas parce que hier, en pile parmi nous, nous n'étions pas contents. Nous avons encouragé pour me chauffer comme moi, parce que deux a été fait fret en pile, mais je me fait justement parce que je devais monter nous. Ça qui est réalité actuellement aux États-Unis, surtout dans Washington, qui est que Freddy a affecté la vie à même. Bon, les Guichard est content, mais les Freddy a tout obligé de vivre avec elle, et parce que c'est là que nous avons vécu depuis combien de temps. Donc, en principe, on ne peut pas me faire habituer avec Freddy en général. Donc, voilà, c'est la situation ça. Donc, hier, je me parlé de ces deux bails qui t'a fait. Effectivement, il a fait vraiment une forme économique d'Avos la fait. Côté secrétaire d'État américain, Anthony Blinken, et rencontré avec dirigeants européens, yo. Gagné tout, et l'autre point d'actualité a gagné ancien président Donald Trump, moi, qui est censé amener dans le sondage l'intention de vote parmi candidats républicains, yo. Capcher cette domination parti à pour l'élection présidentielle novembre et 2024 là. Donc, on s'est président dans le tribunal. Il était assisté à les sélections jury parce qu'on procès qu'a fait contre lui, contre diffamation. Et c'est une dame qui a fait procès à pour lui. Dame n'a pas qu'on pourrait partir, non, procès déjà à côté, était sanctionné pour le payer 5 millions de dollars dommages et intérêts. Mais bon, la table d'un tribunal d'appel, il passe avec que la cour résoudre. Mais il y a un autre procès qui a fait contre lui, contre diffamation, parce que monsieur dit, pas j'aime condamne ça, pas j'aime mon exigeant, à côté, sous chemin. Li. Donc, ça a pété gain tout, et dans la capitale fédérale américaine, non, de ce qui concerne le pays d'Haïti. C'est une cinquantaine d'officiels américains n'a pas qui sont dans l'arrondissement Montgomery qui tout pour Washington qui ont même été organisé une conférence de presse côté de pour te parler de sort haïtien immigrants haïtiens qui vivent surtout dans Maryland et ont demandé à l'administration pour te faire camper sous et processus de déportation qui a commencé pour déporter Monsaro. Que même si c'était entré légal aux États-Unis, mais peut-être qu'il n'y a pas aucune décision de jugement qui prend compte, donc il a demandé pour l'administration frontière qu'on peut pas situation pas fin claire. T'es gagné yon tout. Nous apprenons que États-Unis, Haïti, Texas, aux États-Unis, pendant mes rangs de la, pour le développement avec accusation comme quoi il t'a gagné pour ouais avec, il a gagné pour avec kidnapping qui était fait contre un groupe religieux américain avec un Canadien. Eh bien, bon, c'est pas de ça que t'es mené devant, devant le tribunal fédéral de Washington DC pour te répondre à l'accusation de trafic d'armes. Et M. Teguin a été une dame tournant et qui répond à l'accusation et qui reconnaît qu'il était plus coupable, le fait que Teguin est dans le conflit de l'eau. Avec Yon, nous appelons ça. Et puis, il y a une Europe là, tout pour sanction, tout contre quatre chefs gangs en Haïti. N'a pas eu de Tilapli, Vite l'homme, et l'homme mort sans jour, avec Tizo. Non, pas Tizo. Donc, une Europe là, pour sanction contre M. Sayo, c'est Iso, Tilapli, Vite l'homme, avec l'homme mort sans jour. Donc, M. Sayo, il n'y a pas de mettre point de pied, n'a aucun côté sous-continent européen qui membre Union Europe là et non plus toujours gérer avoir mais tout bien que monsieur Sao t'a possédé en Europe. Bon, c'est encore ce débat à vérifier. Bon, est-ce que monsieur Sao gagne bien en Europe, nous va connaître, mais en tout cas les sanctions c'est comme ça, sanctions que ce soit du côté canadien, que ce soit du côté américain, que ce soit du côté Europe qu'on y a là, et bien sanctions toujours ciblées si vous n'avez bien propriété ou bien encore finance, l'argent, la banque, et bien, il a gelé tout le bail. C'est sa situation, mais la façon dont ballon a brûlé toujours, il était toujours Nations Unies, pourquoi j'en finis pas sanction par lui, les Nations Unies, une sanction générale que le président, il a publié, il liste par là lui-même. Les Sénats qu'on a, il y a des gens que les États-Unis ont déjà sanctionné, il y a des gens que le Canada a sanctionné, et l'Europe, et même la République Dominicaine a sanctionné quelques montants, mais ça, c'est l'autre dossier. La République Dominicaine interdit quelques gros autobus haïtiens pour ne pas mettre point de pied à la caille.
En parlant de la République dominicaine, on a dit que la République dominicaine a préparé l'élection actuellement. C'est un gros débat qu'a fait actuellement et l'élection fixée pour 19 mai. Et bon, c'est une élection à deux temps. Il y a d'abord l'élection municipale qu'a fait le mois qui là. Ensuite, l'élection générale là, fait la partie en mai. Et sujet, nous connaissons Haïti toujours dans ce débat, mais il t'a semblé que selon les sondages, il a dit que, bon, le président sortant, il t'a favori pour le nom. L'autre mandat encore, on a parlé de Luis Abinader, et haïtien, dossier Haïti a l'ambit en sujet, et immigration, Haïti a l'ambit en sujet, débat qu'a fait sur le territoire dominicain pendant la campagne électorale qui commençait, et ça va gagner longtemps. Non du tout, et situation pas de pression, pas fine clé du tout. D'abord, ici, les États-Unis avant mal en Haïti, élection primaire, donc on a prochaine élection primaire à l'Abdoulé dans New Hampshire. L'État de New Hampshire, c'est la deuxième élection primaire pour le Parti républicain. Donc c'est la première élection primaire parce que c'est le fond caucus que Trump a remporté. Et on va faire l'élection primaire fois ça, et l'élection primaire ça. Et qui est trois candidats qui n'ont pas ça, c'est l'ancien président Donald Trump, qui n'a un problème légal et aux États-Unis, qui n'ont une bataille légale, mais. En plus, le monde toujours demandé qui a monsieur fait pour survivre tout le bail. J'ai 4 procès qui ont fait contre lui. D'abord, ça qui s'est passé en janvier 2021, le Congrès a ratifié victoire président Joe Biden, ancien candidat démocrate là. Donc, des ordres qui ont gagné. Donc, monsieur était un monsieur responsable pour moi, monsieur qui a créé des ordres là. En tout cas, l'élection sera fixée pour mardi 23 janvier. Donc, ils sont en suivre et peut-être très bientôt, nous pourrons commencer par focus surtout sur les élections américaines et que sera sorti depuis l'élection primaire. Tout processus électoral la net jusqu'à ce que nous revenions dans la grande soirée, ça, l'élection générale qui va au mardi 5 novembre. 2024, les parlementaires élections présidentielles là, côté que bon, candidat présidentiel était président sortant Joe Biden avec ancien président et Donald Trump qui sont duel élection passée, dernière élection qui a été gagnée en 2020. Donc c'est un dossier que nous très intéressés, Haïti très intéressé, le monde entier très intéressé dans le duel sac-palguien entre qui est-ce qui parle vraiment être là, ici aux États-Unis. Et puis en Haïti, mes amis, et population jusqu'à mon parler avec nous là, c'est gros attaque gain. Négamé sorti pour penser de contrôler on sait de côté dans la capitale là en fait dans zone Solino pour nous même qui connaît sont monté dans zone Boudon dans zone en haut pas Boudon dans zone les gens ça encore là non quartier les Solinois Négamé qui censé depuis lundi depuis week-end même ça bourrante coup d'âme avec un autre groupe pour essayer de prendre contrôle quartier ça en fait population zone a passé toute nuit hier soir coup de tirer et jusqu'à je dis encore gen beaucoup de cause d'âme il savait que la police sont gens entrer dans cause pour essayer d'empêcher que ça fait donc gen moun ki la gen dans la rue qui dans courir même Delma 24 camarade merci en pile pour information ça et gen moun ki dans courir et le monde qui n'a couru là qui court pas même quand côté pour aller même avec tout monde qui n'a main yo et toute zone nazon voilà c'est ça merci un peu pour information donc tout monde qui n'a couru dans toute zone là qui n'a couru hier soir qui n'a pas dormi tellement oui il y a quelqu'un qui dit Badelma monsieur Lambert il y a quelqu'un qui dit Rodelma bienvenue Il qui dit Badelma, il qui dit Rodelma, et bien bon, et c'est là que tout mélange a fait, que Zam a fait entre gang ou c'est de quartier, qui s'en s'affaire. Madame Gladys Jean-Baptiste, gros bonsoir, gros bonjour pour vous. Et je dis à moi, dans le cas là, je vais mettre en protéger tête. Dans la fait chaud là, je vais prendre un petit bail là-bas ici.
Donc c'est gros bataille qui gagne gros coup d'am et kounya et gouvernement pratiquement pas faire aucune déclaration publique. La police pas fait déclaration publique tout sur l'incident, mais il semble la police a cherché dans quelle mesure capable de voir s'il capable contrôler situation qui dans toute zone d'Elma actuellement. C'est là que mon en courir et me fait que je tendais radio tout à l'heure là comment que des journalistes qui dans radio gain social qui dans réseau social et tout on sait le média qui en ligne qui en direct tout et capable une nouvelle là, donc ça veut dire que elle a pas du tout. Pendant ce temps, et dans la ville provinciale, il y a une grosse manifestation tout qui a fait contre le gouvernement, contre le premier ministre Henri, bon, qui profitait de l'occasion là pour le faire passer, mais dans l'autorité municipale, le gouvernement local, il y a tout délégué, il y a commencé à remplacer quelques parmi eux, mais c'est pas ça parce qu'il y a un phénomène, ça, le phénomène Guy Philippe, qui est censé lancer une série d'opérations, après une série d'opérations et désobéissance civile, mais tout qui est à encouragé pour que le premier ministre Henri Tavalé, et qu'on date 7 février, on date fatidique 7 février qui a privé là, c'est la date que le premier ministre Henri était promet à un gouvernement élu, donc pouvoir passer le bon gouvernement élu, et qu'on y a monsieur misé sur ça, il dit puisqu'on va faire élection, ça va faire rien, mais 7 février, nous considérons comme une date butoir ou deux HMRK. Allez. Mais en attendant, Philippe Lambert. Moi, Philippe Lambert, en bas live là. Donc, je m'en profite de mon salut tous les compatriotes qui rentrent aux États-Unis, qui viennent dans le programme Biden. Non? Ça, capitaine, je m'en dis non. Prends patience. Il y a bien sûr nous quand même. Donc c'est ça qui gagne. Puis en parlant de Guy Philippe gagne pour aller dans le tribunal dans Fort Liberté pour aller répondre à une plainte qui était déposée contre lui en année 2004. Les groupes paysans ont déposé plainte pour lui comme si monsieur Guetta détruit jardin ou détruit bail pendant qu'il tape fait et c'est un lutte armée, bon lutte armée contre pouvoir la valasse là, et ben Guetta gagne des dégâts qui fait dans zone Fort Liberté alors dans Nord-Est, et ben plainte ça a été déposée. Donc monsieur tourné là, c'est comment que ça a été oublié. En tout cas, je soulevé la qu'on y a là. Monsieur qui pour la répondre à question commissaire gouvernement, sous accusation ça a eu, et les paysans ça a eu pour tout, ils ont même tout pour venir témoigner, dans ces circonstances, très certainement, pour venir dire qu'ils ont pu venir courir. Et accusation, ils ont fait que contre l'idée ancien groupe rebelle là, alors ancien parlementaire, ancien sénateur élu, mais nous va connaître est-ce que la répondre avec invitation ou bien est-ce que la voyons représentant très certainement pour aller répondre à une question la justice en place. Nous va connaître qui ça peut décider exactement. Mais en attendant, Guy Philippe qui a créé une sorte de la pérèse dans zone là parce que dans pile manifestation par exemple dans la ville Nathalie, pas dans la ville Nathalie, mon pistel monsieur, mais dans grand instant dans le département côté de Sotia, il y a pile manifestation qui a déroulé en faveur et avant hier nous était ouais monde qui t'a marché avec zam blanche dans main manchette pour aller et qu'on sorte de affrontement entre nèg qui des zam manche dans main avec l'autre monde qui s'assemble se supporter pouvoir entre là il y a des blessés là-dedans, mais il y a pas dit que gain monde mon. Pendant ce temps, gang yo a établi dans capitale là toujours, yo continue à contrôler zone yo, parler de kounya de attaque qu'a fait là dans zone Solino, tout dans zone Rodelma et Badelma, parce que gen Rodelma et Badelma, Badelma commencé bon zone côté ancien aviation militaire, mais la médaille c'était là, on a parlé de Delma 2 monté juste en haut. Et depuis traverser l'aéroport, on commence à entrer dans Rodelma et arriver juste en haut net. Donc c'est zone ça, donc zone sous la main droite, c'est là qui où je viens Delma 24, 32, 18, 32, où je viens toute zone ça. Et ben c'est dans zone ça que résident au monde qui vient zone commence à babier parce que je dis monsieur commence à mener attaque et c'est attaque armée, mais qui fait tout le temps soit tiré. A tiré entre eux, ou encore, je dis à la police, vous voulez retourner prendre contre la situation pour empêcher que monsieur va. Et monsieur, non seulement que, pas content de seulement attaquer, mais seulement, vous mettez du fait tout, et parfois, monde qui gagne, nous verrons pas avec qui est monde qui mourit, mais gagne monde qui blessé, et il t'a semblé que gagne monde qui mourit, d'après témoignage, quelqu'un monde qui est sous place, ou bien quelqu'un monde qui vit situation, fait qu'on est.
Donc c'est là nous sujet. Et puis nous parlons de sanctions Union Europe là prend contre quatre chefs gang. Alors qui puis connu contre quatre chefs gang haïtiens, on parle de monsieur Izo, Tilapli, Vite l'homme et dans cas de Bahia, gain l'homme sans jour. Et puis voilà, quatre nèg ça yo Union Europe là prend sanctions contre yo. Bon monsieur ça pas qu'à voyager. Bon. Nous, il y a dans le dernier, il dit, monsieur, ça n'a pas qu'à voyager. Et il n'y a pas qu'à voyager, et puis ensuite, si vous avez bien en Europe, eh bien, et autorité européenne, surtout dans le pays Union Européenne, eh bien, il a saisi bien ça, ou bien gelé, et en attendant pour tout le monde, ça va passer. Et c'est là où la situation est là, c'est là, nous, avec, ben là, bon, entre-temps, nous-mêmes, bon, ici, nous, on fait dire, si vous-même, vous n'avez pas habité à Fouedi, bon, là, car vous, nous souhaitons bienvenue bon ici parce que au moins qu'a commencé avec ça que dire donc tout le monde est dans le cas là souvent dans le cas était qu'à la chauffer quoi là parce que dans la rue parce que première vague que nous même étrangers là niveau aux États-Unis situé dans une zone qui fait froid première vague qui passe nous puis ça nous prend son comment elle est on grippe et bien on commence à tousser de vous on commence à tousser donc ça veut dire que on commence à comprendre. Donc, il était la fourrure à dessous, il était côté en Dakar là. Ça, c'est ça, m'voye. Bah, puis, moi, salut tout l'autre monde, et pour moun qui pose des questions sur immigration, on dit que pas gain grand changement qui fait toujours, excepté que tout bail qui kembe, yo toujours là, toujours. Il y a des décisions de justice qui pour faire. En parlant de 50 officiels américains qui habitaient dans l'arrondissement Montgomery, qui était fait en pétition, bah, administration, qui était en contre administration même. Pour demander on main levée sous situation groupe haïtien que département sécurité intérieur a préparé pour déporter en Haïti et bien il a écrit il était en contact administration on dame même qui était doit déporter hier te doit aller nous voir qu'est-ce qui passé pour lui on fait des démarches pour nous connaître qu'est-ce qui et bien et 50 officiels élus et américain ça qui a vu dans l'arrondissement Montgomery et mais il a écrit administration il a écrit département sécurité intérieure puis demander on main lever fond pour fond camper pour bah un soulagement pour pas combattre haïtien ça pour pas déporter en Haïti pour qu'on est là en attendant que le problème Haïti a résoudre et donc c'est ça qui fait donc hier on fait de presse exactement pour expliquer position yo et qui j'en yo wali qui j'a priorité quoi qu'administration a fait pendant que il y a des démarches qu'a fait tout pour si était capable joindre si administration était capable bail une sorte de et statut de protection temporaire pour tout immigrant qui est rentré dans le pays après le 22 novembre nous par contre jusqu'à qui date yo capable mettre li 22 novembre 2020 après novembre 2022 nous par contre jusqu'à qui date qui limite que administration capable mettre ou même sous déjà gon TPS déjà et qui va expirer donc inscription ouverte déjà on doit commencer on doit soumettre application pour renouveler sous c'est là avant date n'a pas les monde qui était venu aux États-Unis après la mort et Jovenel Moïse et bien tout le monde ça qui était PS qui encore qui va expirer très bientôt et bien vous capable voyez document ça aller remplir forme 821 et voilà. Il y a des gens qui te posent des questions récemment, qui te demandent est-ce que ce monde a un TPS ou ce monde entre ce programme Biden, est-ce qu'on est capable d'aller en Haïti? Alors, famille, réponse, ça dépend. Ça dépend. Il faut qu'on justifie pour quelle raison qu'on veut aller en Haïti. Il faut qu'on ait une raison valable pour bailler pour aller en Haïti. C'est vrai qu'on ferait pour payer, qui moins que $600 pour payer, pour qu'on permis pour retourner. Bon, maintenant, du coup, on va aller dans le pays où n'importe où voulait. N'importe où décide à la carrière, on doit toujours aller. On est capable pas qu'à retourner. Maintenant, si vous pouvez aller, on pas qu'à devoir aller comme ça, si vous besoin retourner. Donc, il faut qu'on ait une permission pour retourner. Et même lorsqu'il y a permission pour retourner, il n'y a pas en garantie. C'est-à-dire que c'est officier immigration lui-même. C'est monsieur dans CBP, c'est, Custom and Border Patrol. Donc, c'est le garde frontalier aux États-Unis, lui-même. Nous entrer, que je sois sous frontière ou bien, ou pas être dans aéroport. Monsieur Sao, qui, dans petit port, où il y a, c'est monsieur Sao, c'est au cap, accepter mon entrée, c'est ça, c'est gardien, oui, gardien pays, oui, c'est quitter mon entrée, c'est pas quitter mon entrée. Donc, c'est officier immigration, ça, qui est capable de quitter entrée,
ou bien pas qu'ils ont entré. Donc, même si vous avez un permis, et m'apprendre, il y a un monde qui dit que, il y a un monde qui a un permis dans le même pour être retourné, là, retourné, l'officier a décidé qu'on va pas entrer. Parce que, un bagage qui pas marché bien, il dit que, bon, on pas entrer encore. Oui, mon permis, mais il dit, non, permis n'a pas en garantie. C'est la voie légale. Donc, monde qui demande des questions, qui pose des questions pour demander, sous un TPS, pas TPS, non, sous gagnon, et au vin dans le programme Biden, et qu'on a besoin, ou t'as remis à l'Anaïti, etc. Bon, et pensant, il t'a pis bon pour consulter un avocat, qui est capable de pis bon conseil, et sous question si là, même qu'on est fort gagné, ils ont permis pour retourner. Il est possible qu'on capable caler mais faut qu'on justifier raison qui fait qu'on voulait aller en Haïti alors qu'on fait qu'entrer dans le programme Biden qui a à peine un an et c'est vrai qu'on vient aux États-Unis pour venir faire deux ans dans le programme Biden là et que six mois plus tard ou bien trois mois plus tard on voulait retourner on voulait à la CAO et puis pour retourner encore donc faut qu'on si vous voulez faire lui des démarches légales pour faire tout, c'est-à-dire qu'il faut remplir, on fait pour remplir, pour vous demander, et service immigration, permission pour aller, permission pour aller, et permission passant pour aller ou râler, mais permission pour retourner. Comme vous avez une question là, je vais vous répondre à votre question, et même qu'on est que oui, ou capable, tout comme mon TPS, capable d'aller et retourner, et il y a des gens qui TPS qui allaient plusieurs fois, mais qui retournaient. Donc, très certainement, et selon le programme Biden, il est très probable qu'on va aller, mais encore une fois, il faut justifier les raisons que vous faites. Même si on monte TPS à tout, justifier les raisons que vous voulez aller en Haïti pour le faire, qui que soit, ça va le faire, mais on va expliquer pour qui ça veut aller et pour qui ça veut aller, pour qu'on ait autorisation pour retourner. Mais comme on dit, le fait que vous avez une autorisation pour retourner, ce n'est pas en licence, parce que la dernière décision en main, officier immigration. Bam dit que ou t'es là ou déplacé ou à l'ouvrir 6 mois en Haïti. Tu vois, ils ont pas bas ou. Ouvrir 6 mois en Haïti. Même si on a permis en douce ça. Soit à l'ouvrir 15 jours. Qui dit 25 ans, même qu'à l'ouvrir 8 jours ou bien qu'à l'ouvrir 15 jours. À quoi même qu'à l'ouvrir 6 mois. Bah, qu'on est. Donc, de façon, et au point de vue légal, l'État va pour consulter un avocat dans ce sens ça pour nous clair. Deuxième bail, la monde qui gagne immigration toujours, qui gagne rendez-vous dans l'immigration, mes amis, pas rater rendez-vous. Pas rater rendez-vous pour quelque soit raison, quelque soit, il faut une bonne excuse pour rater rendez-vous. Quand malade, sur malade, pas aller, il faut qu'il justifie qu'on malade, il faut qu'on papier médical pour dire pour qu'il soit pas allé dans rendez-vous. Donc, si vous rendez-vous pour aller dans l'immigration, allez devant le juge là, et présenter le dossier où, chercher bâtir un bon dossier solide. Parce que l'on parle devant le juge là, c'est le juge qui parle prendre les décisions finales. Là. Donc, allez dans rendez-vous, non. Soutenez dans la juridiction, quittez la juridiction, allons de l'autre côté. On dit que, et, où t'es habité, où t'es dit que c'est Boston qu'on t'en va aller. Et puis, lors de Boston, bah, là, pas marché, j'en t'ai souhaité, à ou l'autre ami qui était Floride, qui doit, mon cher, une boire ici, habité, bah, et bah, là, qu'à bon, pour boire ici. Bon. Mais, faut informer l'autorité immigration. Que désormais, pas Boston encore qu'on y a dans Floride, mais pour que le dossier soit capable d'aller avec rendez-vous là, ou bien capable même modifier rendez-vous pour vous aller dans l'autre juridiction, pour que l'on aller, le dossier ça a déjà l'autre bois déjà. Donc, pas oublier, tout le monde qui a rendez-vous, ben, ça reprend ça parce que les États-Unis ont un backlog, ça, il y a un bon dossier qui l'a capté longtemps, qui a empilé l'un sur l'autre, et c'est un plus gros problème d'immigration, parce que il y a monde sur monde, capitaine. Donc, au cas où tu as un rendez-vous pour 2024, février 2024, l'on va aller dans le devoir et puis ou pas même car juste là, et puis bon, on a un rendez-vous pour 2026. Ou bien 3 ans ou libre pour entre temps, bon, vous êtes capable de dégager, vous êtes capable de travailler, vous êtes capable de faire. Donc, c'est bon, en attendant, on a un rendez-vous là pour aller. Donc, c'est sur un petit monde, vous êtes à l'école. Voilà. C'est ça que je me partage avec les gens qui ont des questions sur l'immigration et puis les gens qui ont des questions sur les questions réfugiées. Tout. Les questions réfugiées, oui, les questions réfugiées, elles sont appliquées. Rappelons que sous déjà aux États-Unis, ce n'est pas réfugié. Sous le fond des États-Unis, c'est asile, parce que déjà aux États-Unis. Mais les réfugiés, l'application pour les gens qui sont à l'extérieur des États-Unis. C'est en dehors des États-Unis qu'on a fait demande pour les réfugiés.
ou pas qu'à faire déjà dans le pays. Souvent dans le pays, ou bien souvent dans la frontière, ou bien dans la frontière, et une porte d'entrée, et là, c'est pour asile pour demander, ou pas qu'à demander. Ça, sont l'autre demande liée, et les États-Unis remodifient les, ils modifient le Konya, Konya, n'importe monde ou au monde pour penser qui qualifié et qui capable d'appliquer pour réfugié ou capable de faire demande pour lui-même. Et au cas du monde, ça, ma parcure, il ça là, calme. Comme réfugié et ou apprendre plus forme, il y a autorité à mener enquête sur même, au monde tout à certainement. Et puis, le département d'État, normalement, qui occupe de question ça, il peut le garder, et puis qu'on est capable d'accorder mon statut réfugié et mon sal, ça l'a venu aux États-Unis. L'a venu aux États-Unis et le monde sal n'a pas venu dans la CAI. Contrairement avec l'année dernière, programme qui était gagné, programme réfugié que l'administration Biden a été mis sous pied. Et lui-même, c'était l'administration qui a voulu mon dans la CAI. Seulement ça, peut-être dit simplement, moi, j'ai une volonté pour accueillir les gens dans la carrière. Moi, j'ai retardement accueilli deux personnes dans la carrière. Moi, j'ai une économie assez pour accueillir les gens, deux personnes, trois personnes, quatre personnes. Et ça, mis à l'envoi deux personnes, vous voyez, 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 c'est quand on regarde ouais vous monde qui parle arabe là car vous regardez ouais vous monde qui parle hébreu là car vous voyez vous qui parle l'autre langue qu'on parle qu'on est même parce que les deux qu'on a accueilli bon on a vu là car choc le ça vous voyez parce que nous deux cultures différentes etc on parle de bagarre mais les pattes marchées parce qu'il y a plus de monde qui dit bon bah on met ton inconnu là car même pas connu du tout on va pas le faire comme ça là car donc bah là pas tellement Kembe Pejan bon Jacques Jean Baptiste comment il y a longtemps nous pas ouais. Même qu'on a là, il y a une nouvelle quand même, mandez pour. Donc, nous parler, et puis voilà. Mais qu'on a le Biden remarqué pour qu'on n'a pas mort des gens qui étaient souhaités. Donc, ça va faire pour année ça, à partir de janvier, et bien, on change le qu'on a, c'est où même. Par exemple, Jean-Jacques Baptiste a regardé moi, et bien, quelqu'un a dit bon. Et bien, bon, Jean-Robert Philippe est au côté. Et bien, bon, moi, contre monsieur. Monsieur, c'est. Moi, quand monsieur, moi, qui n'est lié, bon, moi, je vais faire une demande pour monsieur Vinaka, comme réfugié. Et là, ça, Jacques Baptiste, pour prendre une forme, non, le remplir, et puis le niveau, il forme dans le côté d'aller, et puis, il m'a pris une cage, pas qu'à perdre un bon. Bon, qu'à perdre un bon, par exemple, on est assez retraité. Retraité, retraité, monsieur, ancien, pour dire, on est ancien, bon, bien. Donc, nous ne vendons pas de métier. Nous vendons, qui ça veut dire? Nous vendons des outils, nous ne vendons pas de métier. On sait bon, toujours bon. Eh bien, ok, je salue tout le monde. Je salue Jacques Jean-Baptiste qui fait que je suis en bas live là, que je suis longtemps que je ne parle pas. Ouais. Et malgré que nous parlons tellement de côtés différents, nous, mais agenda nous est différent, rend que c'est difficile pour nous rencontrer. Mais nous avons rencontré quand même. Tout le monde qui, l'autre zone, je salue nous tous qui avons à côté de guerre. Sous frontière et Mexique, États-Unis, nous connaissons que attentement les longs. Rete là toujours sous pas sûr que capable venir sous frontière, pas venir carrément venir peut-être ou venir parce que États-Unis dit pas venir comme ça. Il veut pour venir ou mettre venir mais venir avec un rendez-vous plutôt là ça au moins vous connaissez quoi venir ou venir à rendez-vous. Mais pas venir comme ça ni pas essayer pas sans bafil, gens qui comprennent que ca pas sans bafil. Moi qui dit moi aussi moi doit passer en bafil et puis les mauvais si leur mandé m'a dit que l'aime t'a passé à et officier immigration t'a dormi. Dit pas frontière pas j'en comprends non. Faut dire, là, dans le monde qui l'a pas dormi, ou pas qu'il passe sur le lion, pas dormi. Donc, pas pencher ça, passer en bas fil, traverser les rivières, etc. Non, qui danger qui gagne. Qui quand c'est mon cap traverser les rivières, qui tombe dans, fleuve, Rio Grande, qui mourit, qui pas fait arriver. En fait. Alors que il y a des moyens légaux. Les États-Unis mettent des moyens légaux pour venir. Que ce soit à côté, il y a actuellement des moyens légaux qu'on capable d'entrer aux États-Unis sans pas besoin de risquer la vie ni à le passer dans la forêt d'Ariane. Côté que les gens prennent plusieurs jours pour monter, pour descendre. Et dans la forêt, ça, Panama a raconté récemment, il était constaté une diminution de la quantité de monde qui devait traverser la forêt. Et alors, les forêts d'Ariane, les situés entre Colombie avec Panama. Donc, vous passez dans Colombie et puis vous prenez un petit côté de Nekokli, vous prenez un bateau traversé. Il y a le lago dans un mois et puis vous prenez route là.
Alors, mon qui compte faire ou ça en année, en 2015, 2016, 2017, et puis récemment, 2019, elle était vraiment flow, 2020. Elle était flow. Toujours, il y a mon qui l'a toujours, qui est toujours, qui toujours apprend, toujours, et mon qui est sorti tout côté pour venir là. Actuellement, les États-Unis constatent tout. C'est pas seulement mon qui est sorti en Amérique latine avec Caraïbes, là, ou bien en Amérique du Sud, qui fait ou là. Il y a mon qui est sorti en Afrique, il y a mon qui est sorti en Asie, qui fait autre là, mais c'est mon qui gagne des moyens, qui prend avion sur ton pays, yo vini, yo là fait avion la guerre au pire près possible, et puis yo fait resout là, et gagne mon même qui prend avion, même qui dépose au Mexique, et puis yo fait tirer resout là à pied, ou bien yo prend taxi dépose sur frontière, et puis yo vini dans même statut avec mon même, et l'autre immigrant qui sorti dans l'Amérique latine, ou bien encore dans Caraïbes là. Mais gon période de temps, c'était surtout Caraïbes là, avec l'Amérique latine, qui était dominé avec ça les fameuses caravanes qui était qu'on gagne hondurien, salvadorien, guatémaltèque, haïtien fait qu'on vient entrer là dans le tout et puis voilà, c'est comme ça. En tout cas, nous on prend petit parler avec nous, en tout cas bon ici à nous mêmes sous nos chalets beaucoup trop à m'a dit profiter des lits. On connait dire ta préféré dans faut dire habite aussi si ou pas gagne si des sous pas gagne si gagne souci qu'on pas gagne ou pas que la bien pour être en fridia. C'est vrai. Ouais. Mais en tout cas, quelque part, tout le monde salue, je vous remercie et continuez à garder nous. Jeudi, nous avons une émission spéciale à préparer pour surtout, nous ne pouvons pas conseiller surtout sur des ordres qui gagnent dans la capitale. On va dire qu'il a début week-end, non, mais qui commence à prendre ampleur, qui a élargi. Donc, nous va parler de lui et puis nous ne pouvons pas parler de guerre en Israël, côté que Qatar avec la France jouent nous en tant pour aide assistance humanitaire arriver joindre aux otages qui n'ont mais et groupe militant Hamas yo. Et bon, de façon Qatar dit que oui et médicaments est arrivé, c'est vrai, mais qu'on n'y a pas gain contrôle puis qu'on est-ce que vraiment distribution et médicaments ça arrivé distribué à joindre et monde qui a souffri par exemple otage qui a souffri avec maladie chronique par exemple. Gain tout palestinien tout cap babi tout dit aide voye a pas suffi parce que gen moun ki pa joine ki la et ki pa joine c'est des moun ki déplacé interne c'est moun ki té habité dans zone de fait que gen attaque ki té zone là habité dans l'autre zone et al non camp réfugié dans l'autre zone donc nous va parler de ça tout et puis gen tout États-Unis qui gen des non ti di fait bouler entre États-Unis avec monsieur Outillo qui n'en Yémen. Et les États-Unis dit là dernièrement ils ont lancé plusieurs jusqu'à hier encore ils ont lancé plusieurs missiles dans position que au Tio gain. Et puis mais monsieur Tio même tu continue à attaquer et bateau qui passer dans la mer Rouge là. Et alors que les États-Unis dit même la Grande-Bretagne ont formé ça une sorte de coalition pour protéger. Tu as bien intérêt tout pour protéger bateau ça yo. Alors au tir des dirigeants qui la menace attaque ça yo, c'est surtout à cause de attaque Israël la pensée qu'on a Hamas là etc. Donc les États-Unis disent non parce que qu'on a attaqué fait sous bateau commercial yo. Donc ça vient créer un problème et il prend bateau à plus jour qu'on a les bateaux pas les passer dans la mer ou là pour contourner pour passer dans notre zone ça prend plus jour plus l'argent dépensé donc bah yo vient puis monter va venir puis cher. Donc il a dit de la PD, donc c'est là et ça va empêcher que monsieur Outil continue à payer dans cette attaque. Donc il dossier ça tout que n'a pas pour et puis gagner ton procureur dans Équateur. Et qui s'est ça maintenant qu'elle nous a bloqué dernièrement un groupe négramé qui est entré dans qui mène une attaque là qui était pris en otage tous ces deux monde prison etc. Et ben avec procureur ça monsieur mouri. Monsieur mort assassiné. Donc, c'est des dossiers qui chaud, vraiment, qu'on y a, que nous vivons pour vivre. Nous, pour l'année 2024, là, nous avons plus de dossiers, devant. Là, bien, les élections américaines, que nous avons gardé tout. Et puis, par l'élection dominicaine, en République dominicaine, qui a fait 19 mai. Donc, l'élection américaine, qui a fait 5 novembre. L'élection générale, pas l'élection présidentielle, qui a fait 5 novembre. L'élection dominicaine, qui a fait le 19 mai. Et puis l'autre élection, dossier par exemple, dossier Venezuela, etc. Donc, autant de bagages que nous avons devant nous pour Anissa. Je salue nous
quitter nous aller moi me braler là parce que moi gien bah me faire là me gien pile bah me faire là salut tout le monde qui était là tout le monde qui fait brancher n'a pas là encore et bonne journée pas oublier visiter tout site New York visiter toute plateforme New York justement pour connaître dernières nouvelles tout ça qui a passé dans le monde et puis m'apprendre que gèle gien on zin dans Jacmel n'a pas l'eau de ça gèle gien on va faire faculté et qui pour avec éducation supérieure etc. Bonne journée tout le monde. Bon, allez, parce que si vous écoutez nous là, m'apprête là, net fait toutes les journées avec nous là.